combat. Parce qu'on ne gagne pas un combat comme ça forcément avec les alliés. Dieu même. Amen. C'est Dieu même qui a envoyé Hur et Aaron. C'est Dieu qui a envoyé Hur et Aaron. Parce que Moïse a compris quelque chose. Il fallait s'appuyer sur Dieu. L'appuyer, c'est le symbole de Jésus. Alors Dieu va inspirer aux gens, dit, allez-y, Hur et Aaron soutenir les mains de Moïse. Amen. Allez soutenir les mains. C'est pas Moïse qui a demandé. Amen. Est-ce que c'est Moïse? Non, c'est pas lui qui a demandé le soutien. Non. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus soutenir les membres de Moïse. David vient jusqu'au coucher. Hein? Du coucher du soleil. Du coucher du soleil. Et les choses ont changé de camp. Amen. Ça a mis du temps jusqu'au coucher du soleil. Et les choses ont changé de camp. Amen. Quand tu viens de commencer un combat, et tu penses que c'est maintenant on doit avoir les choses, et tu ne vois pas que les choses ont changé. Il y a le coucher du soleil. Amen. Amen. Il faut la persévérance dans le combat. Il faut persévérer. Et toi, tu t'appuies sur qui? Tu comptes sur qui? Regarde, tu sais sur qui? Amen. Amen. Si vous pensez que si vous ne dépendez pas de Dieu, de Jésus, il sera difficile d'avoir la victoire. Selon moi. Amen. C'est pour ça que la conversion, ça s'impose à nous. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut que tu sois converti. C'est-à-dire qu'il faut changer de camp. Tu ne peux pas être chez l'ennemi là-bas, puis dire non, Seigneur, si tu es avec Satan, tu ne vas jamais avoir la victoire. Amen. Amen. Si vous vivez dans la désobéissance, il sera difficile que les choses changent à votre niveau. Satan, sachant ça, va toujours amener là, tout ce qui est là. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Moi, je peux être comme quelqu'un, un allié pour venir te soutenir dans la prière. Amen. Amen. Et après? Et après? Pour revoir ta vie. Pour revoir ta vie. Et cherche à te convertir. Il faudrait que ce cœur-là soit entièrement Jésus. Amen. Amen. Soit entièrement Jésus. Et c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Il n'est pas entièrement Jésus. Et la Bible dit que malheur soit celui qui se confie en l'homme. Puisqu'on cœur sera entièrement Jésus, Dieu t'enverra des sorts pour t'aider dans le combat. Amen. Amen. Nous sommes des êtres humains. On a des faiblesses. Personne n'est parfait sur la terre. Quand tu te trouves une faiblesse, prie jusqu'à ce que tu te délivres de ça. Amen. Si c'est ça, il faut prier jusqu'à ce que tu te délivres de ça. Et surtout, il faut chaque jour présenter à Dieu pour dire j'essaie. Voici ma vie. Et j'essaie de sans toi, je ne suis rien. Aide-moi. Dieu aime bien ça, d'ailleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime bien ça. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je sais, vous avez fait la veillée. Je comprends, il y a la veillée. Mais c'est le combat. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es au front. Dis à quelqu'un, tu es au front. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble prier. Alléluia. Tu vas prier devant le Seigneur de te manifester. Nous allons ensemble les yeux. Élie est là-dedans. Élie est là-dedans. On n'en a pas mouvalé. Thank you.
malheureuse, parce que voici ce que j'ai fait, qui t'a déplu, Seigneur, pardon. Tu vas présenter l'état de ta vie et de ton cœur à Dieu. Ouvre la bouche et prie. 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 Parle à Dieu. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Oh, il y a un papa. Il y a un chaka. Oui, il y a un de plus. Il y a un de plus. Il y a un de plus. Oh, papa. Chaka. Oh, de plus. Il y a un de plus. Oh, papa. Il y a un de plus. Il y a un de plus. Oh, papa. Tu vas lever ta main et parler à l'ennemi qui est en face de toi. Tu vas commander aux esprits de te lâcher. Prie le Seigneur, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et commence à prier. 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 Thank you.
Seigneur. Je dis que tu donnes la victoire. Je combats que tu as donné.
Thank you.
Nous allons prendre rapidement les aveux. Après sa prière pour vous. Parce que nous avons l'équipe de demain. Amen. Amen. Demain, nous avons un mariage à célébrer ici. C'est vrai qu'on a fait la cérémonie, une cérémonie civile. Mais demain sera la cérémonie religieuse. Comme je vous ai dit, c'est une erreur. En fait, d'abord, c'est religieuse. Vous avez trouvé ça bizarre, mais c'est comme ça. Vous savez, le diable aime toujours renverser les choses. C'est pour ça qu'il faut des réformes dans notre système, surtout en matière d'église. Nous ne copions pas sur le monde. Amen. Amen. Dieu d'abord avant les humains. On finit avec Dieu. Parce qu'au fait, la mairie sécurise le mariage. Mais en réalité, le mariage est fait depuis la famille. Oui, c'est les deux familles qui se marient, leurs enfants. Ils sont d'accord. On vous marie. Et vient la bénédiction de Dieu. Et l'église vient bénir le mariage. Maintenant, la mairie sert à sécuriser. C'est des papiers. C'est tout. Mais si vous commencez là-bas, vous venez devant l'église, vous voyez, tout ça, il est l'alpha oméga. Amen. On doit le mettre toujours à la première place. Et ce sont des erreurs souvent. Tu as dit ça à une femme, ah non, 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 je veux d'abord la mairie. Vous ne voyez pas la portée spirituelle du mariage. Il y a le côté spirituel qui est vraiment très important. Une fois raté, le mariage prend un coup. Vous finissez de vous marier. C'est un gars qui est plein de maîtresses qui vient vous dire devant Dieu, je vous unis devant Dieu. Vous avez une manière à propre. Amen. Amen. Il finit de se voir son coucou, son whisky, bien dosé. C'est lui qui vient de vous dire, je dis, hein, quoi? J'ai assisté à ça, il dit, non. Le gars, il fait malin, toi tu peux aimer les gens. Toi-même, il te voit déjà dosé. Il dit que le président dit, le maire n'est pas beaucoup, il a bien plein. Il racontait des histoires et devant Dieu. Il y a des choses qu'on doit changer en Église. Amen. Amen. Et je crois que mon message va passer parce que même dans le choix de l'époux, l'épouse, vous voulez plus réfléchir. Amen. Amen. Vous devez très bien réfléchir avant d'aller choisir. Vous dites, c'est aux oies là que moi je veux. Amen. Moi je dis jamais. Peut-être qu'ils ont changé ça, leur langage. Je n'ai pas entendu son maire. Le maire a dit, pour le meilleur, pour le pire. Il n'a pas dit ça. Je vous ai dit ça, il n'a pas dit ce maire.